Mario Quentin est un homme d'affaires accompli. Il est président et associé de 4 entreprises. Quentin Cabinet Conseil, les services financiers des travailleurs autonomes, Réseau financier Est du Québec et Synergis Assurance Conseil. Mario voit le jour à Saint-Romuald en 1958. Il est le plus vieux d'une famille de 4 enfants. Alors qu'il a 11 ans, la famille déménage à Saint-Jean-Chrysostome, toujours sur la rive sud de Québec. À la polyvalente, il est très sociable et hyperactif. Cependant, une malheureuse histoire vient entacher sa jeune vie. Donc, à l'âge de 12 ans, il est arrivé un événement qui m'a marqué pour le restant de mes jours. C'est le fait que je travaillais avec un monsieur qui a décidé, lui-là, de prendre possession d'une partie de mon corps. C'était pas la plus grosse partie, mais c'était une partie qui avait l'air de l'intéresser bien fort. Sauf que le problème qui est arrivé, c'est que quand c'est arrivé, moi, j'ai comme gelé devant l'événement en question. Fait que ça a duré quand même longtemps. Pourquoi? Ça, on le sait pas. On dirait qu'une fois que tu embarques dans un engrenage comme ça, que tu as de la misère à dire non par après. Fait que ce qui est arrivé, c'est que quand le monsieur a profité de moi sexuellement parlant, c'est ça qu'il faut dire, quand j'ai décidé de ne plus retourner travailler avec ce monsieur-là, mon père a dit « Non, non, tu commenceras pas ça. » Puis j'ai pas voulu lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Ça a peut-être été une erreur de ma part, qui fait que, bon, ben, je retournais toutes les semaines dans l'enfer. Puis c'est sûr que c'est très, très dur moralement. Moi, ce que je pense qu'une des choses qui m'a sauvé là-dedans, c'est d'avoir des bons parents. Quand t'as un bon père, une bonne mère, déjà d'avoir de l'amour de tes parents, ça fait en sorte que tu peux peut-être te sortir plus facilement d'un impasse comme ça que si tu es déjà des difficultés familiales. Donc, mais il reste que ça a été long. Ça a été long parce que déjà rendu à 14-15 ans, tu deviens déjà, dans mon cas, un homme. C'est, à 15 ans, je mesurais 5 pieds 10, 150 livres. Puis tu t'en vas encore à l'abattoir de semaine après semaine. Fait que c'était quand même difficile. Puis à travers ça, bien, ce qui m'a donné peut-être une chance, à un moment donné, ma mère, justement, à l'âge de 15 ans, m'a offert un livre. Un livre qui a été écrit par Dale Carnegie, qui s'appelle... le titre du livre, c'est « Comment se faire des amis ». Puis dans « Comment se faire des amis », bien, il explique justement c'est quoi un peu la pensée des criminels. Ça te fait réfléchir, tu te dis « OK, les gens se voient pas comme ils sont ». Fait que ça aide un petit peu, à un moment donné, à absorber... le contre-coup, je dirais, de dire « Oh, t'es un peu, qu'est-ce qui se passe? » T'apprends à te connaître un petit peu plus à travers le livre, puis t'apprends à connaître les autres. Fait que tout ça pour faire en sorte que, tranquillement, pas vite, à l'âge de 15 ans, justement, même dans ma 15e année, c'était une grosse année quand même, un tournant, j'étais allé travailler au tabac. Fait qu'au moins, durant un mois, j'ai eu comme... j'ai été plus tranquille. Fait que ça me permettait de relaxer un peu sur la boisson. Je prenais peut-être juste une caisse de 24 par semaine. Ce qui était quand même pas mal pour l'âge. Puis quand je suis revenu avec là, ben, je retombe un peu dans cet enfer-là encore une fois, parce que là, tu peux pas arriver chez vous et dire « je vais plus aller travailler là » quand c'est ta seule petite job que t'as, ben, une des seules petites jobs que j'avais. Donc, à un moment donné, ben, j'ai continué comme ça. C'est un train, petit train comme ça, tannant, mais persistant. Puis j'ai quand même continué à travers ça, des fois, à lire d'autres livres. Puis il y a un autre livre qui m'a marqué beaucoup à cette époque-là, c'est « Au nom de tous les miens » de Martin Gris. Puis là que tu vois la résilience que des gens peuvent avoir. Fait que c'est un homme qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale en étant dans des camps juifs, puis il était très jeune, il a perdu toute sa parenté, il a refait sa vie en Californie. Mais rendu adulte, avec des enfants, tout ça, il y a eu un feu, il a perdu sa deuxième famille encore une fois. Fait que là, c'est là que tu vois qu'il y a des gens qui ont des malheurs pas mal plus grands que le tien. Est-ce que ça nous aide à passer au travers le nôtre? Peut-être. Moi, dans mon cas, oui. Je peux pas parler pour tout le monde, mais dans mon cas, ça m'a aidé. Fait que c'était un bout de vie, disons, rock'n'roll un petit peu. Puis que c'est sûr qu'à l'âge de 13-14 ans, bien, quand la drogue s'offre à toi, la boisson, tout ça, bien, ça devient des places pour s'évader. Malheureusement, j'avais comme arrêté le hockey en même temps parce que, je dis malheureusement, parce qu'à cause de la position géographique, je demeurais à Saint-Jean-Chrysostome. À Saint-Jean-Chrysostome, il n'y avait pas de hockey. Il n'y avait personne de jouer au hockey, j'étais le seul. Fait que j'ai arrêté de 13 à 14 ans de jouer au hockey, puis j'ai recommencé à 15 ans. Puis je pense que ça, c'était ma deuxième bouée de sauvetage pour me défouler, autre que juste la boisson et la drogue. Puis ça nous permet à un moment donné de faire, je dirais aussi d'un autre côté, de choisir nos amis. C'est comme ça que, tranquillement, pas vite, j'ai sorti de cet enfer-là.
Puis à 17 ans, ben là, j'ai vraiment plutôt tourné la page avec ce monsieur-là. J'ai été capable de, enfin de m'affirmer, je dirais, de lui dire un nom poli malgré tout. Malgré tout, j'avais comme un respect pour cet homme-là parce qu'il nous avait aidé beaucoup dans toutes sortes d'affaires. Fait que ces gens-là, je pense, les profiteurs, c'est des gens qui ont tendance à se positionner pour justement passer pour des gentils. Mais faut pas être en dette avec eux autres. Puis autre chose qui m'a aidé, peut-être, mais pas peut-être, certainement. J'ai rencontré ma future, Martine. À l'âge de 17 ans, j'étais allé jouer au hockey pour Saint-Bernard dans la ligue BDL à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis cet amour-là a fait qu'il a commencé bien tranquillement, dans mon cas. C'était pas un coup de foudre, pas qu'elle était pas cute, là, mais t'as pas de soleil cute. Dans le beau, c'est juste ça, des belles femmes, c'est bien plate. Fait que c'était pas le choix qui manquait, mais non, elle avait un petit quelque chose de plus que les autres. Fait qu'en tout cas, ce qui est quand même bizarre dans cette histoire-là, c'est que jeune, je me battais beaucoup à petite école. Il y avait deux raisons. La principale raison, j'aimais ça agacer les autres. Puis on avait dit que je savais pas c'était où la limite, donc je dépassais souvent la limite. J'avais un de mes chums qui était un petit peu... il avait un petit peu de misère mentalement, fait que lui se faisait écœurer souvent. Fait que j'avais à le défendre, puis j'avais à me défendre. Fait que ça, c'était l'époque que je mangeais peut-être plus souvent de voler que j'en donnais. Mais rendu à 15-16 ans, là, j'ai commencé à en donner parce que ça, c'est comme un compte de banque, hein. Avant d'en donner, il faut que tu n'ailles. Fait que j'ai reçu, après ça, j'ai pu donner. Fait que j'ai continué au hockey comme ça, puis c'est ça qui m'a amené peut-être même à faire de la boxe rendu vers l'âge de 20 ans. J'avais un nom de fait au niveau d'être un papier bagarreur. Puis c'est un ring de boxe, ben c'est là que ma grand-mère m'avait tout le temps dit, pas par rapport à la boxe, mais par rapport à la vie, tu sais, qu'il y avait plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Fait que c'est ce que j'ai fait sur le ring de boxe. À l'âge de 18 ans, la vie de Mario est plus sereine. Son mode de vie et ses lectures l'amènent à pardonner son agresseur. Puis pour que la frustration passe, ben ça passe par le pardon. Puis je dirais, c'est sommairement, quand même, c'est assez facile de pardonner aux autres. Ce qui est plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même. Ça, c'est comme plus dur et plus long un peu. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a une forme de honte qui s'installe, puis on a de la misère à comprendre pourquoi faire qu'on a fait ça. Parce qu'à un moment donné, ça devient comme un rêve, cette histoire-là. On dirait que c'est comme plus toi qui étais là. C'est comme si tu comptais l'histoire d'un autre, bizarrement. Donc... Mais il reste que c'est ça qui nous aide, je pense, à grandir à un moment donné. Puis moi, c'est... la frustration a arrêté. En même temps, j'ai arrêté de boire vers l'âge de 18 ans parce que mon estomac n'en pouvait plus. L'amour grandit et le couple désire fonder sa famille. Mais les salaires de Mario ne sont pas suffisants. Puis j'avais une maison qui me disait, « Toi, Mario, mec, t'as 25 ans, t'en es très en assurance avec moi. » Ah ouais. Mais à 23 ans, quand j'ai lâché ma job, puis que ma femme m'a demandé en mariage, puis trop gêné pour dire non encore une fois, j'ai dit oui. Donc, l'assurance semblait être prometteur. Fait que finalement, ben oui, j'étais allé suivre une formation de base là-dedans. Fait que mon ambition, quand j'avais 23 ans, là, c'est arrêter de prendre ma retraite à 45 ans. Tu sais, dans notre tête de jeune, on se dit, hey, à 45 ans, je vais prendre ma retraite, oui, puis je vais faire la grosse vie, puis je vais faire de l'argent, puis ça va être le fun, puis ah oui, tu sais. Finalement, ben, à un moment donné, une couple d'années plus tard, je vois de dîner avec un monsieur qui, lui, ça fait, il avait 72 ans, puis il travaillait encore là-dedans, pas d'enfant, avec une conjointe. Puis là, tu te dis, comment ça qu'il travaille encore là-dedans? Je rencontre un de mes chums qui est son client, je passe avec son client qui est entrepreneur, puis rendu à 50 ans, le monsieur, il dit, ouais, j'ai dit, je suis 50 ans, entrepreneur, j'ai de l'argent, mais là, mon dernier a 18 ans, puis je le connais pas. Puis j'ai pas eu la chance de les connaître, tout le temps travaillé. Là, ça m'a comme, tu vas avoir des enfants, puis là, tu te dis, lui, ces personnes-là, un qui ne l'a pas, qui continue à travailler, l'autre qui dit qu'il a trop travaillé et qu'il n'a pas connu ses enfants, je pense qu'il y a un manque d'équilibre en quelque part. Fait que ça m'a mis à me poser des questions. Puis quand tu commences à te poser des questions, ben moi, ma réponse, j'allais chercher dans des livres. Puis à un moment donné, à cette époque-là, j'ai connu, ce qui est drôle, il y avait Amway. Amway qui, eux autres, dans cette gang-là, aller beaucoup sur le côté personnalité, c'est-à-dire construire la personne au lieu de parler des produits. Fait que là, écoute, on avait des livres à lire, on avait des rencontres, on avait toutes sortes de choses. Super intéressant, on rencontrait des gens très, très intéressants. Et puis, ça nous remettait en question constamment. C'est comme si on avait eu plusieurs coachs. Donc, pas juste une idée, mais bien des idées. Puis à partir de là, ben, un peu fait ta vie.
Et on apprenait la roue de vie là-dedans. Donc, il y a 6 facteurs importants dans la vie, dont, oui, la famille, le travail, le côté social, le côté spirituel, le côté santé physique, le côté santé émotionnelle. Fait qu'il y a où ton équilibre là-dedans. Donc, d'essayer d'avoir une roue le plus rond possible qui fait que ta vie va bien se dérouler, c'est le cas de dire. Fait qu'on commence à regarder ça, puis il y avait une place que ça boitait un petit peu. Il y avait le côté spirituel. Comme cela arrive à nous tous, plusieurs représentants de différentes religions, même des Américains, viennent frapper à la porte de Mario Cantin pour tenter de le convertir. Là, un moment donné, je me suis dit, ouais, ce serait le fun de peut-être commencer à lire la Bible pour essayer de débloquer un peu, parce que moi, en assurance, ce que je faisais, je lisais les contrats des autres compagnies pour dire, ah, ben le mien est meilleur. Fait que je pouvais comparer. Fait que j'ai fait la même chose avec la Bible. Commence à lire la Bible. Ouvre ça à la première page, quand tu connais pas ça. Fait que Genèse 1.1, puis m'en va dans cette histoire-là, qui est quand même une histoire. Et puis, de fil en aiguille, ben, je me suis intéressé de plus en plus. Tellement qu'à un moment donné, je me suis posé plus de questions que de réponses. Fait que là, tu vas avoir des réponses. Que tu commences à chercher. Fait qu'à un moment donné, crème, le matin, commence à lire. Puis finalement, ma femme revient de travailler le soir. Puis moi, j'étais encore dans ma robe de chambre en train de lire. Fait que ça a duré une première période de 3 mois. Un petit bout de travail, je dirais. Puis quasiment juste 15 jours, 3 semaines. Puis rechute. Encore un autre 3 mois à relire la Bible puis à m'intéresser à ça. Puis là, je lisais. Puis je cherchais. Puis là, il y avait du monde qui venait de d'autres religions, de d'autres églises chez nous. Puis ils étaient tout le temps les bienvenus, je les écoutais. Bien, à un moment donné, bien, c'est ça, je commençais à comparer, même avec l'Église catholique, je comparais tout ce qui se disait, tout ce qui s'écrivait, pour finalement bien, dire à Martine, écoute, là, je ne sais pas vers où que je m'envoie là-dedans, mais c'est sûr que je vais avoir des choix à faire. Puis il va falloir que tu t'intéresses à ça, parce que même que je fasse des choix, peut-être ça va changer notre vie. Puis je veux pas qu'on attende d'avoir des enfants là, pour faire des changements. Donc, si ou bien tu t'intéresses, puis on continue ensemble, bien, tu débarques. Fait que là, t'as 25-26 ans là, que j'avais à l'époque. Fait qu'elle a commencé à s'intéresser. Puis finalement, il y a une église qui s'appelle l'Église universelle de Dieu, qu'eux autres avaient une émission de TV, des émissions de radio. C'était tout en anglais, ça, par contre. Mais il y avait des revues francophones. Puis beaucoup de livres aussi qu'on pouvait lire, qui étaient super bien faits, bien intéressants. Puis eux autres qui s'occupaient et de l'Église, pas de l'Église, excusez, mais ils s'occupaient en même temps de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Wow! C'est découverte. Assez pour, à un moment donné, prendre contact avec eux autres. Puis qu'un de leurs représentants vient de me rencontrer. Puis, OK, ils nous ont invités à aller à une assemblée. Puis on a embarqué là-dedans pendant une dizaine d'années. Puis ça a été, franchement, là, une très belle expérience parce qu'on a élevé nos enfants à travers ça. Et puis, ça a été vraiment un bout de vie qui a été quand même... qu'on s'est mis à part des autres pour certaines affaires, qui a été intéressant. Puis motivant, puis on est sorti de là avec des nouvelles connaissances. Puis pourquoi je dis qu'on est sorti de là, c'est qu'à un moment donné, on trouvait justement qu'il y avait peut-être des exagérations des places. Et puis, ben, en même temps, ben, il y avait quand même la job. Puis ça avait été un petit peu... Ça avait pas été un conflit, mais pas loin, parce que de 81 à 90, j'étais représentant avec une compagnie qui était North American Life à l'époque, Nalaco. Puis en 89, j'avais commencé à regarder avec un de mes chums, qui est Michel Couture, qui lui, je le connaissais pas, c'est lui qui m'a approché, puis il me dit « Hey Mario, il y aurait quelque chose d'intéressant, puis il faudrait monter à Montréal, voir qu'est-ce qui se fait là-dedans, tout ça. » Fait qu'on est monté à Montréal ensemble, puis c'était un gars que lui, drôlement, il me connaissait, mais moi, je le connaissais pas. Lui, il me suivait à la boxe. À un moment donné, on a parti un cabinet. On était 9 gars. Donc, un principal actionnaire, que j'appelle tout mon gros actionnaire, avec les 8 autres qui séparaient le 50%. Mais ça n'a pas duré bien, bien longtemps, parce que, évidemment, tu sais, je veux dire, c'est des gros mariages, là, 9 associés. Mais on est resté quand même 5 pendant 3 ans. Puis là, je voyais bien que le principal associé là-dedans, c'était un homme qui, la façon de régner, il aimait la division, donc il voulait essayer de tout avoir pour lui-même. Fait qu'il nous a tout le temps divisé un petit peu pour mieux régner sur nous autres-mêmes. Mais d'un autre côté, c'était un homme qui nous a quand même appris beaucoup de choses. Fait que je pouvais pas ne pas le respecter dans ce sens-là. Le 1er janvier 1994, Mario Cantin donne sa démission tout en sachant qu'il obtient seulement un maigre 25 $ pour le total de ses actions. S'il avait retardé son départ d'un an, il aurait obtenu environ 75 000 $. Mais la philosophie de l'entreprise va à l'encontre de ce qu'il est. Et ça, il ne peut le tolérer. C'est pas rare, mais t'es quand même...
t'as fondé quelque chose comme un bébé que tu laisses un peu à quelqu'un d'autre, là, un peu comme quelqu'un qui vit une séparation ou un divorce, puis il dit c'est votre parent qui va s'en occuper. Pas tout le temps facile. Fait que ça a pris une couple de mois que je me remette de ce choc-là. Puis à un moment donné, je suis allé voir mon banquier, puis j'ai dit écoute, combien de temps qu'il me reste pour faire mes paiements de maison? Il dit 15 mois. J'ai dit si je me réhypothéquais à un bon montant, là, disons une soixantaine de mille, tu pourrais-tu me remettre ça sur 15 ans? T'sais? Fait qu'on est parti de 15 mois à 15 ans. Donc, c'est un petit manque d'argent qu'on avait eu là, durant ces 4 ans-là. Fait qu'en juin 94, mon chum Michel vient me voir. Puis il dit « Hey Mario, j'aurais un projet. » C'est des gens qui ont de la misère à s'assurer au niveau d'assurance invalidité, assurance salaire, par rapport au type d'emploi qu'ils ont. Fait qu'il y a des petits groupes un petit peu partout, disparates, qui sont pas ensemble. Fait qu'on commence à regarder ça. Finalement, en octobre 94, on fonde Service financier très autonome. Et puis, donc Michel était 100% actionnaire. Moi, je voulais pas être actionnaire de ça. J'avais pas les moyens. Je venais de finir une histoire qui m'a coûté très cher. Donc, je voulais pas rembarquer dans rien. Je voulais même pas être administrateur. Je voulais pas avoir aucune responsabilité officielle. Fait que je marchais comme ça avec Michel. Puis ça a fait, on a fait quand même un bon bout de chemin avec cette gang-là. Assez qu'à un moment donné, on était obligé de commencer à regarder pour aller chercher d'autres conseillers quand c'était le temps d'aller à l'extérieur, Rimouski, Côte-Nord, etc. Puis en 97, il y a eu un regroupement de ces professionnels-là à travers la province. Ils ont formé un groupe association. Et le groupe association s'est mis vraiment à grossir assez vite. Et en même temps, ben moi, là, on avait des discordances un peu entre moi et Michel. Mario décide d'acheter 90 % des actions de Michel afin d'être majoritaire et obtenir le pouvoir décisionnel. Puis là, ça a pris vraiment, c'est exponentiel. C'était le timing, c'était pas à cause que Michel s'en allait, là, puis c'était pas à cause que je devenais le président tout d'un coup. Il n'y a pas eu de miracle qui s'est passé durant une nuit. Ça a fait aussi que on a été capable de négocier des nouvelles ententes aussi avec l'assureur. Au niveau du marketing, on a été capable d'aller chercher quelque chose de nouveau. Donc, on était en avance sur nos compétiteurs. Puis même à l'époque, on n'avait pas vraiment de compétiteurs. Fait que quand tu es presque unique dans un marché parce que tu as le produit qu'il faut, puis tu réponds à un besoin tout simplement, bien c'est sûr que c'est plus facile. Fait que ça a été quand même assez facile, je dirais. On n'a plus eu de compétition aller jusqu'en 2006 à peu près. 2006, il y avait plus de compétition. Mais c'est pas grave, personne n'avait un produit qui s'approchait de nous autres. Fait que ça, on était sur un air d'aller jusqu'en 2010 à peu près. Pas à peu près, exactement. Pendant 15 ans, tu montes une business comme ça, surtout avec ce regroupement-là. Pas qu'on n'avait pas d'autre chose, mais ça comptait quand même pour, à l'époque, là, 45 % de nos revenus. Fait que c'était quand même très important. Puis du jour au lendemain, il est arrivé une loi qui fait que, bon, bien, ces gens-là ont été obligés de se syndiquer. Ce qui fait que, en se syndiquant, il était obligé de prendre l'assurance collective, puis il faisait que ça lâchait notre produit d'assurance individuelle. Puis on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire dans le bureau, parce que on recevait des téléphones, puis les gens nous appelaient pour nous dire « Hey, j'aimerais ça garder votre police, mais j'ai pas les moyens de la garder. Ça coûte trop cher avec l'autre, mais moi, je sais que vous autres, ça paye bien, j'ai déjà réclamé. » On avait même des femmes qui pleuraient au téléphone. Mais ça a fait en sorte qu'on a eu une perte extraordinaire de rentrée d'argent, parce que si on n'avait pas été diversifié un petit peu plus, c'est sûr qu'on passait pas au travail. Puis il a fallu qu'on mette des employés à la porte. On pensait les slacker pour... Parce qu'au début, tu sais pas comment que ça se passe. Fait que tu penses que c'est... on va en perdre un peu, mais c'est pas pire que ça. Fait que tu dis, bien, écoute, je vais te slacker peut-être pour une couple de mois, deux, trois mois. Puis là, à un moment donné, bien, au bout d'un mois, toi aussi, je vais te slacker pour une couple de mois. Mais là, à un moment donné, tu vois bien que les mois passent, puis plus que les mois passent, pire c'est. Fait qu'au bout de 4 mois, là, c'était vraiment une débandade incroyable. Ça a été très, très difficile monétairement parlant. Ça a été difficile aussi moralement parlant, parce que on fait pas juste vendre un produit. On est là avec ces gens-là, on les accompagnait quand il y avait des réclamations. On les aidait là-dessus. Et puis, en même temps, bien, se présentent des fois des opportunités. Fait que c'est ça, j'ai mon ami Richard qui vient me voir. Il dit « Hey, Mario! » Il dit « J'aurais un projet avec toi. Nous autres, on veut se dissocier de l'ancien principal associé que j'avais dans l'autre compagnie avant, de 90 à 94. » Puis il dit « On est rendu 3 bureaux. Il y a l'Outaouais, il y a Montréal et il y a Québec. » Donc, à partir de ce moment-là, il dit « Moi, je te vendrais ma clientèle en plus. » Puis il dit « On pourrait partir sur cette base-là. » Bien là, je dis « OK, mais ça va coûter de l'argent un peu. » Il dit « Oui. »
Hey, OK, combien? Fait qu'on parle de 400 000 pièces. 400 000, je dis, là, il faut que j'aille emprunter ça, moi, là, j'ai pas ça dans mes poches. Là, t'es rendu à 52 ans, tu dis, là, je serais bien plus proche de commencer à m'attirer tranquillement que de commencer à embarquer dans quelque chose de nouveau. Pas de nouveau, mais une continuité qui commence à grossir pas mal, là. Fait que, hey, là, tu penses à ça, puis ça tourne, hein, veux pas, là, t'as des casse-têtes, puis le soir, tu te couches, des fois, là, t'es bien plus apporté à ça, à penser à ça, que de regarder ta petite madame. Fait que, finalement... Je dis, OK, bon, ben là, il y a deux choses là-dedans. Il y a la relève qui s'en vient, il y a moi qui veux s'en aller. Fait que go, si on passe à l'action là-dedans, ça devrait bien aller. Fait que ça a bien été. Mais ça a été des bouts quand même pénibles à passer, je vous dirais, là, parce que c'est très, très stressant, ce genre de choses-là. Donc, il y avait une affaire que j'avais oubliée, par exemple. Puis c'est presque un an plus tard que tu te réveilles. Que là, ton nouveau comptable, parce que l'autre avait pris sa retraite, ton nouveau comptable... Il avait oublié de te parler d'impôts. Fait que là, t'as fait ces emprunts-là, et là, il arrive une facture d'impôt d'une vingtaine de mille piastres. Puis ça, c'est au niveau personnel, c'est pas la compagnie, c'est au niveau personnel. Là, tu te tabarouettes de crime, c'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est beau avoir des revenus, mais on a de l'impôt à payer. Fait qu'on, depuis ce temps-là, on a des nouveaux comptables. Et en même temps, ben c'est ça, c'est que ça nous permet de des conseillers qui peuvent venir nous aider, enfin, tu sais, je veux dire, nous challenger. Ça fait en sorte qu'on peut regarder l'avenir d'une façon différente avec les jeunes. Parce qu'il faut dire que là, j'ai ma fille aussi qui est rendue associée avec nous autres. Fait que moi, avec deux de mes enfants, on est associés dans Quentin Cabinet Conseil, dans les services financiers très autonomes. Donc, pour faire un résumé et une histoire courte de ça, en 2010, le gros tournant, la débarque, puis en même temps, une nouvelle opportunité. Mais ce que ça nous avait pris 15 ans à monter de 94 à 2010, eh bien, de 2010 à 2016, on a été capable d'aller rechercher même plus notre chiffre d'affaires qu'on était rendu en 2010. Fait que pour nous autres, ben c'est de bon augure pour ce qui s'en vient avec la relève, avec Jade et Jeff. Parce que ce qui est le fun, c'est que autres, ça nous a permis aussi d'apprendre qu'il n'y a pas juste du bon. Ça a tout le temps de l'air beau. Quand on ne se présente pas sur notre mauvais jour. On se présente dans des réunions, dans n'importe quoi, mais ça a tout le temps l'air de bien aller, c'est tout le temps correct, c'est tout le temps parfait. Mais évidemment, bien, il se passe toutes sortes de choses. Puis je le vois avec les autres compagnies, parce que la plupart de mes clients, ils ont des compagnies, puis hier encore, on en parlait, puis encore un matin avec un autre de mes clients. Tout le monde passe par des mauvaises passes comme ça quand tu es en business. Ce qui est le plus important quand tu es en business, là, c'est de pas penser que tu es tout seul, c'est d'aller chercher de l'aide extérieure. Donc, on parle souvent de coach. Et aller chercher des mentors aussi. Et ça peut être dans le même domaine que nous autres ou dans d'autres domaines. Mais en business, puis hier, un de mes clients me disait, « Bien là, un matin, j'avais une rencontre avec mon coach. » Puis pourtant, le gars, ça fait 25 ans, une business qui a un chiffre d'affaires d'au-dessus de 10 millions par année. Puis il y a son coach lui aussi. Mario Quentin est très impliqué dans la communauté. Et puisqu'il désire travailler jusqu'à ses 75 ans, cet homme courageux et conciliant n'a pas fini de nous surprendre. C'est ça la vie.